Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous quotidien des deuxièmes trophées de l'édition 2020. Contexte sanitaire oblige, ils se dérouleront intégralement en ligne cette année. Chaque jour à 11h et jusqu'au 7 décembre, nous vous dévoilerons un trophée issu du palmarès 2020. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler le sixième trophée de l'édition 2020, celui dans la catégorie opérations marketing et commerciales. Il s'agit ici de distinguer le travail, l'inventivité, l'efficacité d'une équipe au service d'une marque, d'une maison, d'une collection, dans un contexte très concurrentiel. Cette année, le trophée revient à Nourriture Fu pour son festival Mi-Livre Mi-Raisin. Découvrons le lauréat en images. Pour Nourriture Fu, c'est vraiment formidable de recevoir ce prix parce que nous sommes une petite maison d'édition créée en 2016. Qui publions des livres autour de la nourriture et créons aussi des événements autour de ces mêmes thématiques, autour du vin et de l'alimentation. Donc c'est vraiment le fil rouge de la maison d'édition. Et à partir de cette thématique, cela nous permet d'aborder tout un tas d'autres sujets sociétaux, comme le cinéma, le féminisme ou même le racisme. Alors Nourriture Fu, c'est un jeu de mots, un mot valise entre nourriture et turfu, c'est-à-dire futur en verlan, parce qu'on s'intéresse évidemment aux nourritures à l'avant-garde. Et on a enlevé un air à Nourriture Fu, il n'y a qu'un seul air, parce qu'on ne manque pas d'air. Nourriture Fu. Alors, l'opération marketing commercial pour laquelle nous sommes récompensés cette année par Livre Hebdo s'appelle Mi-Livre Mi-Raisin. C'est un salon à la fois du livre et des vins d'auteur qui a lieu tous les ans en décembre à Paris. Ce n'est pas simplement d'agréger comme ça de façon un peu automatique des éditeurs et des vignerons, mais de créer des accords fins entre livres, éditeurs et vignerons et vins naturels. Par exemple, un éditeur spécialisé en littérature grecque et un vigneron grec, les éditions Libertalia et le domaine de l'Île Rouge, donc des pirates, et ainsi de suite. L'idée étant valoriser voilà, le travail de ces artisans, qu'ils soient éditeurs, faiseurs de livres, ou vignerons et vigneronnes, faiseurs de vins. Ça a très très bien fonctionné l'année dernière. Cette année, ce sera virtuel. L'année prochaine, on revient en force, en 2021. Alors ce salon Mi-Livre Mi-Raisin, c'est vraiment ce que j'aime dans l'édition. De l'humour, de l'hédonisme et du sens. Et le petit plus dans l'initiative de Nourriture Fu, je pense que c'est ça aussi qui a séduit le jury, c'est qu'il n'a pas fait ça tout seul dans son coin, il est allé chercher d'autres confrères, éditeurs indépendants comme lui, et il a créé en fait une fédération des éditeurs et des vignerons. Et franchement, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie qu'un bon livre avec un bon verre de vin ? Au nom des équipes GFK France, nous sommes ravis d'être aux côtés de Livre Hebdo pour les trophées de l'édition 2020 et de parrainer la catégorie Opérations marketing et commercial. Celle-ci résonne particulièrement avec notre activité. Tout d'abord, nous avons vu une adéquation forte avec notre expertise cœur de métier, à savoir l'analyse de la performance. Ensuite, nous avons été sensibles à la mise en valeur des idées portées par les acteurs du livre. Agilité et innovation d'un côté, et de l'autre, écoute des problématiques et recherche de solutions. Ces notions sont au cœur de nos engagements au quotidien et sont essentielles à la vitalité de la filière livre. Voilà pour le trophée de l'opération marketing et commercial. Demain, Anne-Laure Walter vous présentera à 11h le trophée de l'innovation numérique. Merci de nous avoir suivis et très belle journée. Dans ce contexte sanitaire pesant de l'année 2020, avec le confinement, avec la reprise, avec la fermeture des magasins non essentiels et ce rebond que l'on espère pour la fin de l'année, le suivi des données au segment et au titre prend tout son sens. C'est la volonté de GFK, accompagner au mieux l'ensemble des acteurs de la filière avec des données précises qui vous permettront d'accélérer également sur cette fin d'année, compte tenu du poids du mois de décembre qui pèse 17% des ventes de l'année. Notre panel livre s'enrichit cette année d'une nouvelle vision sur la Belgique francophone, la Wallonie. La connaissance fine des acheteurs de livres est également extrêmement importante pour GFK, surtout dans une année comme celle-là. Comprendre le profil des consommateurs, comprendre leur parcours d'achat, comprendre comment celui-ci est influencé est extrêmement important pour prendre de bonnes décisions également. Que ce soit le lecteur de polar, que ce soit à travers la mixité d'achats en librairie ou alors dans d'autres circuits de distribution, ou tout simplement le profil du consommateur chineur en termes de livres d'occasion, GFK vous fournit un certain nombre d'insights de manière très précise qui vont vous permettre d'affiner vos stratégies marketing,
de définir vos cibles et de mieux connaître en profondeur le consommateur pour développer vos ventes. En cette fin d'année si particulière, marquée par encore beaucoup d'incertitudes, je voulais vous confirmer le soutien des équipes GFK qui sont mobilisées pour suivre au plus près le rebond des ventes sur cette fin d'année et vous accompagner avec précision et qualité de data de telle manière à vous aider dans vos prises de décision stratégiques à court, à moyen et à long terme.